moi salue tout auditeur, auditrice, mon affaire mon TV. Moi salue M. Jean Devon, Dieu de lui. Je salue notre camarade la frère. C'est avec un pile tristesse, un pile chagrin, un pile vraiment indignation, remords. Et je dis, là, c'est intervention ça, côté que gagnent des individus que nous vivons identifiés par Tina Yo, il y a un certain de Alan, là, je vous donne un complet, qui sont policiers, dont le policier qui gagne non les boudos, et il y a plusieurs autres policiers encore, et qui t'a même dit, c'est le palais national, qui est sorti. Et même quand tu te dis, M. Dimitri Vladimir Parizon, comme quoi c'est lui qui t'a ordonné, que M. Dimitri Parizon lui-même, il dénonce, et lui, vraiment, et lui, c'est pas vrai, va dire comme ça, il va voyer malandrin, ça y est, il va te voir le monde, venir frapper, ni venir essayer de voler, ni venir assassiner, le calme Jean-Baptiste, Jacques et M. Odirichella. Eh bien, M. Damio, sans vous faire, ils ont pris mon côté, sans que je ne connaisse pas vrai motif que vous avez demandé à dire, même le vrai motif, parce que je ne parle pas de la médio, je ne parle pas de la médio, je ne parle pas de la médio, je ne parle pas de la médio. Mais pas un rien qui louche qui parle à Négio, eh bien, monsieur, en guise, yo, que c'est affaire ou droite, ça y fait, dans l'optique pour y voler, dans l'optique pour y faire tout ça mal, dans l'optique pour y continuer à s'ajouter, y a volé l'argent, eh bien, y a volé mon tamé du yo. Après la caille, moi, dans Delma 75, côté que c'est caille, Monsieur Antoine et Ribert, que tout le monde connaît qui est directeur de l'hélico, qui est proche moi, qui l'a moyenne moyenne, ils ont venu, ils ont saccagé, ils ont volé, ils ont pris tout ça gagné, ils ont frappé, ils ont crasé, ils ont tout bagaille. Eh bien, nous-mêmes, en tant que victimes, dans le moment où on a parlé là, nous recevons un pile coup. Dans le moment où on a parlé là, côté que gagné, Monsieur Dame Vagabond, Vagabond, ça y est, et M. Titino Alan, et Boudou, qui n'a pas l'air, et deux autres encore, qui viennent de Titino Vladimir Parizon, ça y est, ils ont saccagé Kaïmouin, Kaïmouin, et M. Antoine Hubert, qui n'a pas 75 ans, côté que dans l'impasse en Boisa. Ok? Dans l'optique, on dit que, on a caissé ça, on ne parle pas de vivre là-dedans, non sens, c'est au cas de gagner, il y a vente, il y a fait tout bagage. Il y a volé des bagages qui vont être très chers, il y a volé l'homme, il y a volé, il y a comme été gagné, et il y a avec des dossiers, un peu de dossiers que, moi, t'as traité qui t'a dedans, mais il y a allé avec les tout, il y a volé les tout. Et je dis, maintenant, son cri d'alarme, moment de secours avec communauté nationale, internationale, moment de secours avec le commissaire gouvernement, moment de secours avec le monde qui vient diriger l'État, moment de dire que la police a pris sa responsabilité, moment de avec vraiment l'inspection générale, la police pour sa responsabilité, moment de avec organisation de droit mounio pour responsabilité yo, parce que les yo, la société là, yo, volaient tout en possédé, yo, mettaient la vie en danger, et je dis en bas, qui s'est pour mêlé, qui s'est pour répondre. Moi, je pense que le comité gouvernement est prêt à agir, et moi, je pense que le comité gouvernement est libre à agir, et moi, je pense que le comité gouvernement et les autorités policières, il agit et voilà. Et même moi, clair, moi, je dis que le document, moi, je dis que l'argent, moi, je suis dans le moi, je dis que le jour, moi, je dis tout ça que M. Rébert Antoine est dans le monde, je vole, je ne peux pas faire dire. Et moi, je dis tout ce qu'on est dans le monde, moi, frappé, moi,
mal utilisé moins mal que tes bagages ça va être impuni malgré le cadre de dit que comment moi-même mettre dans le bâtiment dirait qu'il m'a m'a parlé du dossier corruption m'a parlé du dossier FNE m'a préadopté m'a devant tout le monde il a commencé à dire avec un homme comme voleur comme tout bagage et il a dit il a attaqué et il a fini avec quand même faut qu'il mette fin à lui. Je pense que la police, la justice, la presse doivent aider et de prendre des mesures pour ne pas perdre du moins, parce que la vie est très très menacée dans le moment où on est là. Mais M. Caleb, vers qui laisse ça passer, M. Caleb? C'est que c'est attaque la semaine dans le Caïmouin, aux environs de 3 heures, ça 4 heures l'après-midi. Si c'est immédiatement par la police, dans le 62, qui est arrivé malgré c'est en retard, je dis avec nous dans la zone qui est là, nous dans la zone qui dit, mes amis, mes collègues, nous pas qu'à venir tirer là. Mes amis, nous pas qu'à venir craser quand il est bien Antoine là, parce que c'est pas possible. Eh bien, je dis à mon cadavre, je dis à mon tapement, je dis à, et il est quand même boulé, c'est le gars habituel qui passe dans les flots. Je pense que ça va pas être comme ça, et ça doit vraiment servir une leçon. Les gens qui ont fait ça dans le pays, les gens qui ont dénoncé la corruption, les gens qui ont dit ça va être comme ça. Oui, parce que quand Jean-Baptiste, vous parlez avec Gabriel Barison, dites-vous n'y a pas grand-chose à ce qui passe là. Bon, ce sont des policiers qui n'ont pas parlé national, qui étaient cités non, qui n'ont pas parlé de cité non, mais le commissaire Barison, il dit que il n'y a pas de policiers non. Et il dit qu'il n'est pas au courant. Mais c'est les gens qui disent, mais qui c'est non, et les gens qui n'ont pas l'air. Mais moi, je pense que moi, par exemple, je dis, Boudon n'a pas l'air, et Boudon compte tout notre monsieur. Alors, je dis, si effectivement, le commissaire Parison n'a pas gagné pour l'air, il a gagné pour le parler à l'église, il a gagné pour le prendre des mesures, pour le mettre en état et pour le faire la justice. Vous comprenez? Et les gens n'ont pas gagné pour le faire vraiment. M. Caleb, combien de policiers ont été comme ça? Nous bien préciser, mesdames et messieurs, des policiers. Des policiers, je pense que c'est important pour nous préciser ça, M. Caleb. Des policiers qui attitrent dans le palais national, qui étaient sortis pour tout là. Nous bien préciser ça, M. Caleb. Oui, oui, c'est clair, c'est policier. Et ma clé pour nous dire tout. Et policiers, par action opposée, nous montrent au plus mal que les autres, au plus mal que c'est l'appui, au plus mal que les hommes, au plus mal que la mort sans jour. Depuis mal que Iskara qui mourit, depuis mal que tout le monde a examiné. Je dis à l'action de la police est là, moi qui dis que l'action est là, qui est mal que l'action, nous examinons. Et si ça n'a pas vraiment, pour pas qu'on le soit suspiré, nous mettons une institution ça, nous mettons une institution ça, parce que l'institution ça, il est décrié, il est vraiment pas possible, il est rien, il a seulement pour lui faire exaction, il a seulement pour lui faire abus. Il a seulement pour les marchés volés à faire il a seulement pour les filles, pour ne pas créer un exemple dans le dossier. Et nous-mêmes, nous allons faire ce que nous devons, tant sur le plan pénal, tant sur le plan administratif, et nous allons également saisir des instances internationales dans le cadre de ce dossier. C'est grave, c'est grave. Mais Caleb, au-delà de vous-même qui est blessé, qui est frappé, est-ce que vous avez dans le cas là que M. Saouta attaque également? Bon, il y a un peu de monde qui frappe, il y a un peu de monde qui est victime, il y a un peu de monde, je dis à la qui est dans la caille là, et c'est l'hôpital qui est allé, des monde, il y a des servants qui travaillent, ils ont tiré, ils ont tombé, et ils ont pris un coup, ils ont coupé comme ça. Et c'est vraiment, on va quand même pas même vraiment expliquer, parler parce que c'est la première fois, moi-même, je vis dans une situation pareille. Mais quand je m'attends, est-ce que vous pensez à l'attaque ça qui fait sur la CAO, à Tagaoué, avec un série de dossiers, corruption à traiter dans le pays là? Bien sûr, il y a pour ça, et il y a pour avec ça, effectivement, dossier FMI à la dalle, et il y a pour ça, et il y a pour tout avec des policiers qui estiment que y a besoin d'un baronnet et riche. Et de manière illégale, illicite et arbitraire, des policiers qui estimaient que les diaspora, pas grand-chose,
mes amis, il n'est pas là dans, pendant un mois, deux mois, ou bien son famille qui l'a dans, il faut que ça vienne prendre. Moi, je pense que ça a bien pour avec insécurité foncière et il a pour avec dossier que nous avons appliqué contre la corruption en Haïti. Qui suivi au côté fait dans quatre dossiers, ça, avec quatre dossiers, Baptiste? Nous avons déjà parlé au comité de gouvernement et vraiment quitté après le dossier, quitté parler avec nous. Nous avons déjà vraiment parlé avec des autorités dans la police là. Je pense que nous allons écrire au commissaire gouvernement en week-end, nous allons à l'hôpital et puis le commissaire lui-même l'a fait ce que des doigts. Pour la police, nous allons saisir la police de manière formelle, administrative, et l'État, la police lui-même, ça gagne pour faire ce que des doigts. Je pense que c'est l'année et nous allons avancer très bien et sûrement nous attendons les réponses de la police et de la justice. Mais, M. Caleb, est-ce que c'est pas un message que monsieur a passé? Parce que si vous avez tout, quand même, et qui ça fait que vous n'avez pas juste tiré? Parce que j'en ai gardé des bagailles là. Nous, c'est un message que vous voulez bah, directement. Étant donné que vous n'avez pas attaqué plusieurs dossiers. Vous parlez comme ça, M. Caleb? Non, c'est une tuerie. Et pas son message. Parce que c'est grâce avec nous dans la zone, nous-mêmes, nous parlons. Vous êtes une tuerie. Vous êtes une tuerie, même, voilà. Bien sûr, c'est pas un message. C'est grâce à nous dans la zone, nous allons mourir. Si c'était un message, il va la frapper, il va la craser, il va la voler, les bagailles. Non seulement c'est tuer, mais il était venu tuer, et il était venu tuer tout ce qui a mis dans la carrière. Ce qu'il fait. Mais on tue tout ce qui a mis dans la carrière. Il crase tout le bagaille. Avec il crase tout le bagaille pour un message. Si il vient la carrière, il crase tout à fait. Il vole tout à fait. Il frappe. C'est grâce à nous dans la zone, les gens sont tous prêts à la veine, nous dans la zone, les ça va faire. Ça va arriver cet samedi pour un message. Mais je suis venu pour assassiner. Malheureusement pour moi-même, la nature dit que l'émission est au même fait sur la terre. Je beaucoup fait le pire. Ça va passer la façon de passer. Mais le cas, c'est où tu es arrivé à identifier combien de produits c'est en tout que tu es arrivé en Dakar là. Il y a quelques connards, mais il y a un pile ou pas connards tout. Il y a plusieurs pas connards, mais on a travaillé sur ça. Mais Boudou connard, Boudou connard tout. Alors, nous connaissons tout. Et il y a plusieurs lots qui étaient là. Nous connaissons l'autre. Ça veut dire, nous connaissons l'autre. Je pense que Vladimir Zaïzon lui-même, il connaît.